Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous parler de toutes les lectures que j'ai effectuées pendant l'été. J'ai lu 6 livres pendant les mois de juin, juillet et août. Je sais que c'est vraiment pas beaucoup, mais pour ma défense, j'avais des petits problèmes de santé. Rien de grave, mais j'avais super mal dans le cou et à la tête. Et ça a pris quelques mois avant que je découvre la source. Et là, je suis suivie en chiropratie. Ça fait vraiment des miracles. Moi qui n'étais pas capable de rester penché comme ça à lire un livre plus de 15 minutes, maintenant je peux lire pendant des heures et des heures et ça, ça fait tellement du bien. Je me suis même prévu 20 livres à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. On voit que ça va vraiment beaucoup mieux. Et j'ai fait des bonnes lectures, des moins bonnes, je vous en parle aujourd'hui. Mais avant, je voulais juste vous dire que ça va être sûrement la dernière fois que je vais vous faire un bilan lecture comme ça. Dans le fond, je vous présente ma pile à lire au début de la saison et je vous présente mon bilan à la fin. Il y a 3 mois qui se passent entre les deux. Souvent, j'oublie les livres que j'ai lus au début de la saison parce qu'il y a beaucoup de temps qui passe entre les deux. Donc, ce que je vais faire à l'avenir, c'est que je vais sûrement vous faire un bilan en milieu de saison. Donc, il va sûrement avoir moins de livres. Je ne vais pas me rusher à vous présenter 10 livres d'un coup non plus. Déjà, je voulais vous séparer les bandes dessinées des romans, comme je commence à faire aussi avec les bocals. Je ne fais pas trop de piles à lire de BD, mais je pense que je pourrais en faire aussi. Je pense que ça pourrait être vraiment le fun. Donc voilà, vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez que c'est peut-être mieux. En tout cas, moi je pense que ça va être mieux. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les lectures que j'ai faites cet été et on commence tout de suite. Et le premier que j'ai reçu de la part de Interforum Institutes Canada n'est nul autre que La Muse des cauchemars, le deuxième tome du Faiseur de rêves par Lainey Taylor aux éditions Lumen. J'ai fait une chronique toute spéciale sur le premier tome, donc si vous voulez aller voir ça, c'est vraiment, il n'y a pas de spoil du tout. Je vais vous mettre le lien en bas et ça va apparaître aussi en haut dans le petit i. Ici, on est dans un univers de fantasy et on va faire la connaissance dans le premier tome de notre héros qui s'appelle Laszlo et qui est bibliothécaire dans ce qui est sûrement la plus grande et la plus belle bibliothèque de ce monde-là. Il fait plein de recherches sur une ville dont tous ont oublié le nom qui s'appelle maintenant Désolation. Et tout le monde le prend pour un fou parce qu'il pense que cette ville n'existe pas et que ça fait juste partie des mythes et des légendes. Mais un beau jour, va débarquer dans sa ville un émissaire de désolation qui cherche à recruter un paquet de monde différents. Des acrobates, des alchimistes, des scientifiques et Laszlo qui a seulement son talent de conteur mais qui, grâce à ses recherches, parle couramment la langue de désolation, va faire partie de cette expédition qui cherche à résoudre un mystère. Donc il va se rendre dans cette ville-là et découvrir que finalement la ville de ses rêves n'est que l'ombre de ce qu'il avait imaginé, littéralement. Et ici dans le deuxième tome, on va faire plus la connaissance de Sarahi qu'on avait découvert dans le premier tome, qui en fait est une déesse à la peau bleue. Et dans le deuxième tome, on va plus creuser la personne de Sarahi qu'on avait déjà rencontrée dans le premier tome, qui est tombée éperdument amoureuse de Laszlo. Puisque cette dernière a la possibilité de se transformer en milliers de papillons la nuit et de quand elle se pose sur la tête des gens, elle peut voir leurs rêves et même les transformer. Elle va voir les rêves de Laszlo et s'apercevoir qu'il est vraiment différent et tomber en amour avec lui. C'est vraiment difficile d'expliquer ce livre-là sans vous spoiler, mais sachez juste que ce livre est magique, qu'il y a des gens avec des dons extraordinaires, qui a aussi plein de mystères, une ville qui est inspirée un peu du conte des mille et une nuits, avec des personnages très attachants et très complexes aussi, un univers qui est vraiment riche, et la fin nous ouvre sur mille et une possibilités, donc j'espère qu'il va y avoir un tome 3, même si je pense que c'est censé être une duologie. Donc pour moi c'était un 5 étoiles sur 5, évidemment. J'ai vraiment aimé la suite et comme je vous dis, j'espère que ça va pouvoir se poursuivre. Et on continue toujours avec un livre que Interforum Institutes Canada m'a envoyé. Il s'agit de Silver Battle et le Dragon d'eau aux éditions Lumen, écrit par Katie Holbrook. Et c'est un livre que j'attendais énormément puisque, comme vous savez, il y a un aspect de compétition dans ce livre-là puisqu'il y a une course de dragon d'eau. Et c'est vraiment un aspect que j'adore dans les livres, donc j'avais vraiment vraiment beaucoup d'attentes envers ce livre-là. Ici, on fait la connaissance de Silver Battle qui habite dans un univers qui est vraiment inspiré par le Moyen-Orient puisqu'elle habite dans une ville qui est complètement désertique. Dans cet univers-là, il y a deux royaumes, celui du désert et celui des océans. Et chacun d'eux vont concourir d'abord de leur côté puis ensemble
pour faire des courses de dragon d'eau. Et Silver ne va pas échapper à la règle puisqu'elle va faire la connaissance d'un jeune dragon et être liée à lui. Malheureusement pour elle, il y a des voleurs de dragons en liberté et elle va devoir aller dans la plus grande ville de son royaume pour aller s'inscrire à une course de dragon d'eau parce que c'est le seul moyen de réclamer la propriété du dragon. C'était pas un coup de cœur, mais c'était pas non plus un livre que j'ai détesté. Donc c'est assez moyen pour la simple et bonne raison que, comme je vous disais, j'avais beaucoup d'attentes envers ce livre-là, surtout à propos des courses de dragon. Et je pense que vraiment les courses arrivent vers la toute fin. Mais si vous aimez vraiment les dragons, les univers fantastiques, les livres jeunesse qui se passent très rapidement avec un univers assez riche, beaucoup d'événements, beaucoup d'aventures, ben c'est sûr que je vous conseille d'y donner une chance. Et on va poursuivre avec le premier tome de Iscari, Achat, Source de Dragon par Christine Sicarelli aux éditions Gallimard Jeunesse, qui m'ont envoyé cet exemplaire en service presse. Donc merci beaucoup à Gallimard pour cet envoi. Ici on va suivre Asha qui est une tueuse de dragons. C'est une princesse qui est assez solitaire et qui s'est fait brûler complètement la moitié du visage et du corps par un dragon quand elle était jeune. Donc vous doutez bien qu'elle leur en veut. Mais en plus de ça, un des dragons aurait supposément tué sa mère puisque dans cet univers-là, quand on raconte des légendes et des mythes et des histoires, ça fait venir des dragons. Et les dragons, évidemment, sont destructeurs et ravageurs. Asha va simplement poursuivre le cours de sa vie en tuant les derniers dragons qui existent. Elle va vite se rendre compte, finalement, que tout ce qu'elle croyait n'était pas vrai. Puisque cette dernière, finalement, toute sa vie a été manipulée par son père. Quand elle va s'apercevoir de ça, elle va complètement changer et puis elle va avoir une mission qui va lui être donnée par un être assez ancien. Finalement, elle va peut-être comprendre que les dragons ne sont pas tous aussi méchants qu'elle le pensait. Et en plus de ça, elle qui a toute sa vie été censée traiter le peuple qu'ils asservissent comme des esclaves, va tomber en amour avec l'un d'entre eux et puis ça va complètement changer ses perspectives sur tout. Il y a beaucoup de politique dans ce livre-là. L'histoire est assez lente, elle prend son temps à se mettre en place. C'est pas quelque chose que j'ai détesté. J'ai vraiment hâte de voir où l'histoire va aller. Je sais déjà d'avance que c'est une trilogie puisqu'il me semble qu'en anglais, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Et j'ai aussi lu le 3e et dernier tome de La Quête des Voulames par Pierre Bottero. Ici, ça s'intitule Le du Destin et c'est aux éditions Rajo. Donc, c'est la première trilogie que je termine de Pierre Bottero et j'ai vraiment pas été déçue. Ici, on va faire la connaissance de Camille qui vit dans notre monde et soudainement, quand elle va faire face à un accident qui pourrait lui coûter la vie, elle va utiliser les pouvoirs qu'elle a, qu'elle ne soupçonnait même pas qu'elle avait, pour se rendre dans un univers parallèle qui s'appelle Guadalajara où elle s'appelle Ewilan là-bas. Elle a été adoptée dans notre monde, mais finalement elle va se rendre compte qu'elle a une autre vie qui l'attend. Elle est une dessinatrice, c'est-à-dire que quand elle pense à des choses, elle peut vraiment les matérialiser dans notre monde. Et aussi elle peut utiliser ce qu'elle appelle dans ce monde-là l'imagination pour se transporter mentalement dans certains autres endroits pour communiquer avec des gens à distance. Notre petite Camille ici dans ce tome-là, elle va essayer de libérer ses parents qui sont prisonniers. Ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Les Sentinelles. Il y en a un d'entre eux qui s'est rebellé et puis ils vont essayer de combattre cette personne-là. Camille, elle va devoir aussi aller chercher le frère qu'elle ne soupçonnait même pas qu'elle avait dans notre monde pour essayer de le ramener, même s'il était censé être un dessinateur aussi, mais qui s'avère à ne pas avoir ce pouvoir-là. Il va s'avérer à avoir un pouvoir qui est vraiment différent et assez inconnu. Donc assez intriguant aussi, peut-être que ça va se développer un peu plus dans la deuxième trilogie. Il y a une panoplie de personnages qui sont vraiment multifacettes. Il y a un monde incroyable qui est développé avec une histoire qui me fait vraiment penser à l'univers de Tolkien. Donc si c'est des choses qui vous intéressent, moi je vous dis foncez sur cette série-là. Et on va aussi enchaîner avec un autre dernier tome de série et il va s'agir de Keisha. L'héritière des mondes, qui est le 4e et dernier tome de cette série par Elisabeth Camiran aux éditions ADEA. Et là, comment vous dire que c'était juste incroyable, ça m'a fait vivre toutes les émotions et j'ai même pleuré 2 fois à chaudes larmes. Dans le premier temps, on va faire connaissance de Keisha,
qui est une fille qu'on appelle un enfant de deux mondes, puisqu'elle est issue d'une union entre un père de la mer et une mère de la forêt. Et dans ce monde-là, c'est vraiment vu comme une monstruosité, puisqu'on va avoir cinq peuples qui coexistent mais qui ne se parlent pas. Comme je disais, il y a la mer et la forêt, mais il y a aussi les plaines, les montagnes et le désert. Et puis, Keisha, qui va apprendre sa véritable identité, va essayer de retrouver sa mère biologique. Elle doit traverser un océan pour arriver à ses fins, mais en chemin, elle va être kidnappée par des pirates et être vendue comme esclave au désert. Et là, elle va découvrir qu'il y a une grosse manigance d'un des seigneurs du désert qui veut envahir le reste des peuples. Et finalement, Keisha va réussir à se sauver et à transmettre le message. Elle va devenir vraiment la tête de la rébellion et rallier tous les peuples à elle. Ce livre-là, c'est juste vraiment une ode à comment bien vivre ensemble et l'acceptation des autres, et vraiment une ode à ce que l'humanité devrait être, des gens qui travaillent ensemble et non les uns contre les autres malgré leurs différences. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça beau, sans parler que les personnages sont hyper attachants et que le monde est hyper bien développé. Et puis ça se lit tellement bien parce que l'écriture est hyper fluide, malgré que, comme vous voyez, c'est assez gros, c'est vraiment une petite brique. Donc pour moi, c'était un 5 étoiles sur 5. Et là, je suis super triste parce que Elisabeth, elle a juste fait cette série-là et j'espère vraiment qu'elle va sortir d'autres livres. Il y a un livre, et non le moindre, que j'ai lu cet été. Il s'agit de We Hunt the Flame par Asha Feza, qui m'a été offert par mon amie Marie-Luce et que je remercie énormément. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'elle s'est ramassée avec deux copies, puisqu'elle avait commandé une boîte All Crate et que finalement c'était le livre qu'il y avait dans cette boîte mensuelle. Et elle avait précommandé le livre en plus, donc finalement elle m'a donné une de ses copies. Ici, on va faire la connaissance de Zafira, qui est une chasseuse. En fait, elle va nourrir son village, puisque depuis un certain temps, il y a une ombre qui plane dans la forêt où normalement les chasseurs vont. Personne ne veut s'aventurer dans cette forêt-là, puisque tous ceux qui y vont ressortir soit fous ou soit pas du tout. Et puis Zafira est la seule qui peut revenir saine et qui peut revenir point. Et aussi, on va faire la connaissance de Nazir, qui est un tueur à gages, qui est engagé par le sultan, qui se trouve à être son père. Et les deux jeunes personnes vont se trouver à aller sur une île qui englobe, qui est en fait au centre des cinq royaumes. Donc ici, on a les cinq royaumes, ici on a en fait l'île où ils vont devoir aller à la recherche d'un livre qui pourrait ramener la magie sur cette terre-là et puis qui pourrait se débarrasser des menaces comme en fait l'ombre qui plane dans la forêt à côté du village de Zafira. On a aussi deux points de vue à cette histoire-là, le point de vue de Zafira et le point de vue de Nazir, et les personnages qui sont très très stéréotypés au début vont prendre plusieurs aspects au fil du temps. L'histoire aussi va se dérouler, on va en apprendre plus sur le passé de chaque personnage, et ça va vraiment se construire et nous amener dans une autre direction totalement. La quête centrale va être là, les deux vont faire le voyage initiatique ensemble, mais finalement, en se frottant l'un à l'autre, ce qui les oppose finalement va les rapprocher, et c'est ce qui est vraiment beau dans cette histoire-là. Donc moi, j'ai donné un 4 étoiles sur 5. Donc ça va être tout pour mon bilan lecture de l'été. Vous me direz dans les commentaires si vous avez lu un livre que j'ai présenté ou si je vous ai donné envie d'en lire un. Dites-moi aussi si vous avez lu cet été, qu'est-ce que vous avez lu, quel genre de livre, ça m'intéresse. Sinon, n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo, ça m'aide beaucoup et c'est tout le temps très très apprécié. Et si vous voulez voir les autres vidéos que je mets et ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Sinon, nous, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!